ONG Masanjmoud, appelle à l'aide pour de nouvelles infrastructures. L'ONG Madagascar Alzheimer Masanjmoud a été contrainte de contracter un prêt en vue de la construction d'un centre de ressourcement des personnes atteintes d'Alzheimer à Nkadéfadzour, Ndoranfout. Ce centre, qui sera bâti sur une superficie de 2 hectares, est prévu contenir des infrastructures adaptées aux personnes âgées et de leur environnement. À ce jour, l'association n'a pas encore bénéficié d'une aide financière de l'État pour pouvoir accélérer la réalisation de ce projet et s'est limitée à ses fonds propres collectés lors des activités de levée de fonds. Ralsan Ndjiamar Yolande, présidente fondatrice de cette ONG, réitère son appel à l'endroit non seulement de l'État, mais également de généreux donateurs nationaux à appuyer ce projet. Ayant occupé gracieusement jusqu'ici une localité située à Finmananamazouarive, l'association a été sollicitée par les héritiers à quitter les lieux depuis 7 ans maintenant. Notons que 70 personnes âgées sur les 305 prises en charge par l'association sont atteintes de l'Alzheimer. L'association leur propose jeux et animations ludiques 2 fois par semaine. Ces activités aident les patients à oublier leur solitude, leur anxiété et la maladie.